Bonjour à tous, je m'appelle Mariana, j'ai 32 ans, je fais du VTT en compétition et pour être prête, je m'entraîne plusieurs fois par semaine en VTT mais aussi beaucoup en course à pied. En course à pied, je m'entraîne sur les sentiers de montagne, c'est des sentiers qui sont très terreux et très caillouteux, donc pour bien m'entraîner, j'ai besoin d'une chaussure qui soit polyvalente, qui me permette de passer de la terre au caillou, avec un très bon grip, mais qui soit aussi très légère et très dynamique pour que je puisse rebondir sur mes appuis. Aujourd'hui, je vais tester la ASICS Fuji Light 2 pour femmes, qui est présentée comme une chaussure souple, dynamique et polyvalente. En course à pied, je passe une grande partie de mon temps sur les sentiers de montagne. J'ai donc besoin d'une chaussure qui me permette de passer des sentiers en terre à des passages plus rocheux, avec un grip performant sur sol sec ou sur sol humide, mais qui reste très légère. J'ai pu tester ces chaussures à plusieurs reprises, principalement en trail sur les sentiers de montagne, par temps sec, par temps de pluie et même sur de la neige et de la glace. J'ai vraiment été surprise par l'excellente adhérence dans toutes les conditions. La semelle garde un très bon grip. Grâce à la technologie Flight Foam développée par ASICS, on a des chaussures qui sont ultra légères avec un excellent amorti. La mousse à l'intérieur a une densité très faible et ça se ressent vraiment sur le poids de la chaussure. Quand on les prend, on sent qu'elles sont très légères. Et elle est renforcée par des nanofibres, ce qui permet de garder l'intégrité de la mousse plus durablement et donc de conserver de l'amorti plus longtemps. Ça, je l'ai particulièrement ressenti sur mes fins de sortie. Malgré le dénivelé accumulé, j'étais moins lourde sur mes appuis, même après un long run. Je recommanderais les ASICS Fuji Light 2 à toutes les coureuses qui recherchent des chaussures qui permettent de courir sur une large gamme de terrain, avec un excellent grip, mais sans faire de concessions sur le confort et la légèreté.